Coucou les amis, bah voilà, j'ai décidé pendant mes vacances de février de faire un petit tour en Normandie, puisque c'est vrai qu'avec cette période un peu étrange, on ne peut pas voyager comme on le souhaite. Alors j'ai décidé tout simplement d'aller visiter ce qu'il y a juste à côté de chez moi et que j'ai jamais vu. J'en ai beaucoup entendu parler, j'ai déjà traversé plusieurs fois, mais je me suis jamais vraiment arrêté. Donc j'ai décidé aujourd'hui de faire une petite rando dans la Suisse normande. Alors je viens de faire 25 minutes de route, donc c'est pour dire que c'est vraiment juste à côté de chez moi. Et je viens d'arriver dans la petite commune du V, Vey, où je vais commencer ma rando. Alors j'avoue que j'ai eu un peu peur sur la route parce qu'il y avait énormément de brouillard. Ça a l'air de se lever un peu, alors j'espère que ça va aller. En tout cas, c'est parti pour une petite aventure maison. Voilà, alors là, je vais arriver sur le pain de sucre. Alors, on n'est pas à Rio de Janeiro, hein. Loin de ça. On est bien en Suisse normande. On est bien pas très très loin de Vey. En fait, j'ai fait à peu près, on va dire, 2 km de marche jusque-là. Ça grimpe un peu par moment, mais en fait, ça va. C'est plutôt plat. Là, c'est très différent sur la fin du parcours, bien sûr, parce qu'on arrive justement tout en haut du pain de sucre, où je pense que la vue, malgré le brouillard de ce matin, risque d'être sympa quand même. Et en effet, je confirme, alors il y a du brouillard toujours, mais bon, le panorama, franchement, c'est superbe. Et je suis seul au monde. Bon, je commence à avoir un peu faim, moi.
Alors bah je vais bientôt m'arrêter, je vais trouver un petit coin, mais alors le problème c'est que il a plu cette nuit, donc c'est pas mal humide partout, mais je vais bien trouver un petit endroit sympa. Bah ça y est, le repas est pris, alors bah c'est reparti pour la fin de cette rando. Et voilà, ainsi s'achève ma petite balade en Suisse normande. C'était plutôt cool, elle est plutôt belle quand même ma Normandie. Malgré ces petites péripéties avec le drone, c'était plutôt une bonne journée, c'était cool. Maintenant je vais rentrer, petite douche, puis comme je suis attendu ce soir, il va falloir que je tarde trop pour respecter le couvre-feu. Parce que j'ai mis finalement quand même un petit peu plus de temps que prévu, mais voilà, c'est pas grave. À très vite les copains. Pour de nouvelles aventures. Salut!